Notre invitée ce matin, Karine Trouvin, bonjour à vous. Vous êtes directrice adjointe de la santé publique à l'ARS. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous du plan régional santé-environnement. Il a été lancé en 2017. Il est particulièrement important dans cette période de pandémie. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer à quoi sert ce plan initialement tout à fait, bonjour à tous. Eh bien, le plan euh, régional santé-environnement, c'est un plan qui permet de mettre en synergie euh, l'ensemble des acteurs du territoire autour de la notion de santé environnementale. Cette notion de santé environnementale, elle devient. Extrêmement prégnante. Quand ces plans ont été lancés il y a une quinzaine d'années, maintenant, on en est à la troisième génération et la quatrième va être faite en 2022 pour nous. Le plan national est en cours de construction. La notion de santé-environnement était difficilement touchée du doigt par nos concitoyens et même par les institutions. Aujourd'hui, on sait bien que l'environnement a un impact sur, sur la santé, c'est perçu euh, par l'ensemble de, de nos concitoyens, que ce soit euh, les pollutions sur euh, la qualité de l'air, sur notre environnement intérieur, euh, les pollutions en général, euh, la qualité de l'eau, de notre alimentation. On sait que tout ça maintenant a une influence sur, euh, sur notre santé. D'ailleurs, euh, l'OMS estime qu'à peu près 25% des maladies chroniques dans le monde sont dues à l'environnement. Donc, il est extrêmement important d'un point de vue politique de fédérer l'ensemble des acteurs qui interviennent et d'agir en synergie. C'est vraiment l'objectif de ce plan. Donc, c'est un plan qui est co-construit avec la préfecture qui représente l'ensemble des services de l'État, le conseil régional d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, qui est extrêmement engagé dans le cadre de ce plan, et, et l'ARS. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire qu'en prenant mieux en compte les risques environnementaux dont, dont vous avez parlé, on peut euh, contrer l'arrivée, vous avez parlé des maladies chroniques, mais est-ce que est-ce qu'on peut contrer l'arrivée euh, d'épidémies comme euh, le Covid-19 Alors, contrer l'épidémie du Covid-19... Euh, avec ce plan, oui, on peut, on peut en tout cas euh, et avoir des, des éléments favorables pour la, la, la prise en compte et, euh, et la réaction face à une épidémie comme le, le Covid-19. Dans le cadre de ce plan, par exemple, on va travailler sur euh, tous les phénomènes euh, relatifs euh, aux maladies émergentes euh, et normalement et aux risques nouveaux. Euh, je pense à ça, euh, par exemple, aux, aux moustiques tigres. Donc on n'est pas sur le Covid en tant que tel. Mais on est sur la lutte d'un vecteur qui va pouvoir euh, amener des maladies type la dengue, le chikungunya, etc., etc., que l'on voit dans des pays du Sud avec les changements climatiques. Le moustique tigre envahit peu à peu la France, ouais. et c'est un des axes, un des des, des, de, de, des axes de, de ce plan, euh, que de lutter contre euh, ce type de euh, de, de risques environnementaux. environnementaux. Euh, L'objectif aussi de ce plan, c'est de favoriser tous les environnements favorables à la santé et donc de travailler avec euh, les collectivités, essentiellement l'ensemble des acteurs de terrain pour promouvoir des euh, environnements favorables à la santé. Donc on va beaucoup travailler pour euh, euh, mettre en place des études, pour avoir des connaissances en titre de la santé et environnement, euh, pouvoir donner, de restituer ces connaissances auprès des élus, auprès de la population générale. Il y a d'ailleurs un site. Euh, de euh, santé -environnement, euh, sur la santé environnementale en nouvelle-aquitaine qui est euh, disponible que tout le monde, tout le monde peut aller euh, euh, voir et l'ensemble des documents sont euh, mis à disposition donc j'invite tout le monde à aller euh, sur ces sites là et vous trouverez sur, euh, sur ce site euh, l'ensemble des documents qui ont pu être créés dans le cadre de ce plan donc, sur des thématiques extrêmement variées, à la fois sur, sur l'air intérieur. Euh, autant nos concitoyens savent que euh, l'amiante est un risque, est un facteur important. Par contre, on n'imagine pas forcément que dans notre air intérieur, euh, on peut avoir des facteurs polluants avec euh, des produits, par exemple, pour euh, l'air. Euh, euh, Pardon, euh, pour ambiancer euh, le, un, un appartement, des encens, des bougies, des choses de ce type-là, euh, voilà. Et en ces temps de Covid, on ne peut que recommander d'ouvrir et d'aérer les fenêtres. C'est très bon pour l'air intérieur et c'est très bon pour renouveler. Concrètement, avec euh, ce plan euh, régional santé-environnement, euh, c'est surtout de la prévention, du coup, ce que vous dites, de, de l'information. Oui. Euh, vous parlez des moustiques tigres, par exemple. Est-ce que vous mettez en place des, des actions concrètes pour lutter contre les moustiques tigres On a parlé, euh, vous l'avez évoqué aussi, je crois, les pesticides. C'est quelque chose que vous que vous prenez en compte dans ce plan. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour, pour lutter contre ces risques alors, dans ce plan, il y a cinq grands axes. Effectivement, le premier, c'est la lutte contre les, les pesticides et euh, toutes les, euh, les maladies euh, émergentes. Donc, euh, on va travailler sur différents axes. Pour les moustiques par exemple, dans le cadre de ce plan, on va essayer de développer toute la communication auprès euh, de, des professionnels de santé, auprès de la population, pour lutter contre tous les gîtes larvaires, par exemple. Et donc, on a diffusé de nombreuses plaquettes d'information à, à ce type. Là. Ensuite, dans le cadre des missions propres de l'ARS, nous travaillons à la destruction de ces gîtes à et à, 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 la, à la surveillance entomologique en lien avec, avec les différents acteurs pour repérer les sites et éviter que l'on ait euh, des, des maladies autochtones qui, qui puissent se, se déclarer. Pour, pour vous, euh, vous qu'est-ce que vous diriez que c'est quoi les principaux enjeux de la santé environnementale dans, dans les prochaines années Alors, je pense que c'est un enjeu très très fort en termes de santé. Le 19e siècle a vu une révolution hygiéniste. On a appris et on a repoussé le, 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 les maladies et accru l'espérance de vie humaine par la révolution hygiéniste. Au 20e siècle, la révolution elle a été technologique. On a des robots, on a appris plein de choses, des nouveaux médicaments, des nouvelles thérapies qui se sont énormément développées. Le 21e siècle va être celui de, de la prévention et de la santé environnementale. Aujourd'hui, il faut, pour pouvoir garder notre, euh, no, notre espérance de vie, il va falloir lutter contre toutes les pollutions qui sont mises en œuvre et favoriser l'ensemble euh, de, de notre environnement pour avoir un environnement favorable à la santé dans tous les aspects de notre vie. L'eau potable, l'alimentation, notre habitat, nos comportements aussi, la manière dont on investit les milieux de vie. Euh, avec les collectivités, par exemple, il est extrêmement important euh, de travailler sur euh, l'aspect urbanisation et la manière dont on travaille euh, et dont on construit la ville euh, d'aujourd'hui et les habitats et les milieux de vie euh, d'aujourd'hui. D'ailleurs, à ce sujet, dans le cadre du plan, on développe, par exemple, ce qu'on appelle des études d'impact en santé euh, qui permettent en amont de euh, travailler sur euh, le projet tel que l'on que soit, quels sont ses impacts en santé, positifs et négatifs, et réfléchir pour pouvoir maximiser les effets positifs et diminuer les effets négatifs. Merci beaucoup, Karine Trouva. On rappelle donc que vous êtes directrice adjointe de la Santé publique à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.